Tu connais très bien Étienne Kahn, donc tu veux bien le présenter. Bah, tout le monde connaît Étienne Klein. Étienne Klein, physicien, spécialiste de physique quantique, directeur de recherche au CEA, professeur à l'école centrale, professeur de philosophie des sciences à l'école centrale, auteur de très nombreux ouvrages qui témoigne de son souci de partager la science avec tous, et il tient une chronique hebdomadaire sur France Culture, Le Monde selon Étienne Klein. Il a reçu de très nombreux prix, je ne vais pas vous faire la liste que j'ai trouvée sur Wikipédia. juste quelques titres qui donnent une idée. Le temps existe-t-il ? Pourquoi les quantas sont-ils si troublants ? L'univers a-t-il connu un instant zéro ? Bon, on pourrait présenter Étienne Klein pendant 20 minutes. Bah vas-y. j'aime bien savoir qui je suis. Voilà, donc je pense que tu peux nous présenter cette intervention sur la naissance des idées scientifiques. Okay. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation, même si, je dois l'avouer, je suis toujours un peu crispé quand je parle devant des psychanalystes. Enfin, j'ai toujours peur que mes fantasmes soient interprétés, que ce que je dis soit détourné vers autre chose. Enfin, il y a toujours une forme d'angoisse. Et en plus, les psychanalystes sont quand même les seules personnes à pouvoir organiser des colloques le dimanche matin, le jour de la fête des pères, dans un quartier où se déroule dans le même temps une course à pied qui empêche toute circulation. Ça, c'est quand même une originalité qu'il faut le reconnaître et qui est gage sans doute de grandes découvertes pour la suite. Alors, on a un petit peu parlé tout à l'heure du lien entre mathématiques et physique, en expliquant que c'était la même chose, que ça collabore, etc., ce qui est vrai. Mais en même temps, il y a une différence qui est fondamentale, qui a été relevée par un prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman, que vous connaissez sûrement, et qui disait que les mathématiques sont à la physique ce que la masturbation sont au sexe, est au sexe. C'est-à-dire qu'en physique, il faut être deux. Il y a en effet le langage de la physique qui est un langage mathématique, qui n'est pas tout le langage des mathématiques. D'ailleurs, il y a une partie des mathématiques qui servent en physique. Et puis il y a l'épreuve du réel. C'est-à-dire, le physicien, c'est quand même quelqu'un qui croit le plus souvent à ce que j'appellerais un en-dehors de l'esprit. C'est-à-dire, il pense que quelque chose dans le réel s'impose à nous, que nous le voulions ou non. Et je vais vous donner un exemple tout simple, qui est que dans la plupart des manuels de physique, on raconte que l'atome, par exemple, a été pensé par les Grecs, par Démocrite, par Lucrèce, qui était un Romain, enfin bref, par des penseurs de l'Antiquité qui ont eu l'idée de l'insécable, donc de l'atome, et qu'il a fallu attendre, dit-on, deux millénaires et plus, même, pour avoir la preuve expérimentale de son existence. Et s'ensuit en général un paragraphe où on loue l'intuition géniale des Grecs, etc. Très bien. Sauf que l'atome qu'on a découvert n'a absolument aucune des propriétés de l'atome des Grecs. Mais aucune, si ce n'est le nom, qui est mal porté puisqu'il n'est pas insécable. Donc, ça veut dire que l'atome de la physique est un atome qui n'a été préalablement pensé par personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un en dehors de l'esprit, et cette épreuve du réel est, à mon avis, ce qui distingue fondamentalement les mathématiques de la physique, qui, elles, subissent cette épreuve, alors que les mathématiques sont soumises à leur simple référentiel logique, disons. Alors, qu'est-ce que c'est que la physique ? Il y a évidemment beaucoup de définitions. Il y en a une qui va me servir pour introduire mon propos, qui est celle qui a été proposée par Alexandre Coiré, un philosophe spécialiste de Galilée, donc spécialiste de ce qu'on appelle l'avènement de la physique moderne. Et il écrit que le pari de la physique moderne, par opposition à celle d'Aristote,
c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ce qui est réel, ce qui se donne à nous dans le monde empirique, par des lois physiques qui contredisent l'observation. Il y a toute une ritournelle qui voudrait nous faire croire que la physique décrit le réel, tel qu'il se donne. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que toutes les lois physiques, enfin je parle de celles de la physique moderne, contredisent l'observation. En tout cas, l'observation immédiate, et oblige donc à une sorte de réinterprétation des faits pour établir une cohérence, une connivence même entre ce que dit la loi et ce que l'expérience montre. Je vous donne un exemple tout simple, la chute des corps. Tout le monde voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Aristote a théorisé cette loi dans sa physique, elle avait été vue par d'autres. Les Indiens d'Amazonie connaissent cette loi, un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Et cette loi a été enseignée pendant des siècles sans que personne trouve à y redire, jusqu'au moment où Galilée se pose la question, non pas de savoir si cette loi est conforme aux observations, puisqu'elle l'est à l'évidence, mais de savoir si elle est vraie. Ce n'est pas la même chose. Et évidemment, il n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise qu'on raconte partout, c'est une légende, c'est une reconstruction positiviste pour faire croire qu'on aurait pu deviner cette loi à partir d'une expérience. Et s'il avait fait cette expérience, d'ailleurs, il aurait pris des objets lourds et des objets légers, les aurait laissés tomber depuis une hauteur de 54 mètres en convoquant tous les sorbonnards de l'époque qui étaient aristotéliciens, et les sorbonnards qui savaient déjà auraient vu que les objets lourds arrivent au sol avant les objets légers. Donc cette expérience n'aurait servi à rien. Et ce qu'il a compris, lui, c'est qu'on pouvait démontrer que la loi d'Aristote était fausse, non pas par une expérience comme celle que je viens de citer, mais par une expérience de pensée. C'est-à-dire, j'imagine qu'Aristote a raison, et je vois ce qu'implique la théorie d'Aristote en supposant qu'elle est vraie dans des situations que je ne peux pas expérimenter, et je démontre qu'elle aboutit à des contradictions logiques. Par exemple, ce stylo est moins lourd que cette bouteille. Aristote me dit que la bouteille va tomber plus vite que le stylo, ce qui est vrai si je fais l'expérience, quoique, enfin bref. Mais l'expérience de pensée commence quand je suppose que je mets une ficelle qui relie la bouteille et le stylo. Donc l'ensemble est plus lourd que la bouteille, donc d'après Aristote, il va tomber plus vite que la bouteille toute seule. Mais dans la chute, le stylo qui est moins lourd va tendre la corde et faire parachute, et donc l'ensemble va tomber moins vite. Et donc il découvre que la loi d'Aristote ne peut pas être vraie. Et donc la loi qui est conforme à l'observation est fausse. Ce qui oblige à réinterroger l'observation et à comprendre qu'il y a la gravité qui fait tomber tous les objets à la même vitesse, et il y a la résistance de l'air qui est une autre force, qui est responsable, et c'est seulement elle qui est responsable, du fait que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers quand on ne fait pas le vide. Bon. Et évidemment, si vous prenez la physique quantique ou la relativité, c'est encore pire, c'est-à-dire tous les énoncés correspondant aux lois physiques qui sont dans ces formalismes-là, quand vous les entendez, vous semblent absurdes, complètement absurdes. Par exemple, la physique quantique s'appuie sur un principe qu'on appelle le principe de superposition, qui dit que si une particule peut être dans l'état A qui correspond à cette position-ci, et si elle peut être dans l'état B qui correspond à cette position-là, elle peut être dans l'état A plus B, dont personne ne sait ce que ça veut dire A plus B. D'accord ? Et donc, il faut s'habituer au fait que la physique contredit, bon, d'une part le sens commun, mais comme les mathématiques, ça c'est depuis Galilée justement, l'ennemi de la physique c'est la doxa, c'est l'opinion commune, c'est ce qu'on pense à partir de ce qu'on observe, c'est les impulsions empiriques qui nous font croire à certaines choses, etc. C'est ça l'ennemi de la physique. Et en fait, elle oblige à penser en écart, c'est-à-dire à se déporter de l'observation pour la comprendre par d'autres voies, et donc essayer d'expliquer le réel empirique par l'impossible, par des lois qui le contredisent. Finalement, c'est le contraire du rugby. Hein, le rugby, il y a certaines actions qui sont impossibles, a priori. Et les bonnes équipes sont des équipes qui démontrent l'impossibilité de l'impossible par le réel. Donc la physique fait exactement l'inverse de ça. Alors, dès lors qu'on admet, et c'est une sorte de postulat, si vous voulez, qu'il y a un réel qui n'est pas nous, postulat qu'on peut évidemment refuser. Je connais des psychanalystes qui le refusent. Qui disent que le réel c'est le langage, etc. Non, moi je pense qu'il y a un réel qui est indépendant de nous. Le temps a existé avant que nous existions, etc. Et donc, penser par exemple que nous sommes le moteur du temps, comme le pensent beaucoup de philosophes corrélationnistes qui font dépendre le cours du temps de la conscience, c'est affronter un paradoxe dont je ne vois pas de solution. Parce que si le temps est lié à la conscience, comment la conscience a-t-elle pu advenir dans un temps qui a besoin d'elle pour passer ?
Et donc il y a ce genre de paradoxe. Donc moi je fais le postulat qu'il y a un en dehors de l'esprit, que l'esprit peut peut-être comprendre une partie de ce réel extérieur, par une sorte de dialectique d'aller-retour. Et évidemment, si je ne le pensais pas, je ne ferais pas de physique. Je ferais soit de la psychanalyse, soit des mathématiques, mais je ne me soucierais pas de ce réel-là. Et si on doit interroger l'efficacité de la physique, c'est justement parce qu'elle est capable, surtout elle l'a été au XXe siècle, d'agir grâce aux mathématiques qu'on trouve dans ces formalismes comme un treuil ontologique. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire apparaître des objets physiques dont on n'avait jamais vu l'équivalent et dont on avait prédit les propriétés avec une précision remarquable. Tu as cité Dirac. Dirac, il a inventé la distribution de Dirac, en effet, la fonction de Dirac, mais il a aussi prédit l'existence de l'antimatière. Et l'antimatière a été découverte un peu plus tard avec les propriétés qu'il avait dites. Et en 64, on a prédit l'existence du boson de Higgs, qui a été découvert en 2012, donc 48 ans après, et la particule qu'on a découverte a exactement les propriétés qui étaient calculées. Donc, soit vous croyez au miracle et vous pensez qu'il s'agit d'une coïncidence, soit vous admettez qu'il y a dans les mathématiques que nous utilisons des choses, des instruments qui permettent non pas de décrire le réel, ce serait trop ambitieux, mais qui permettent d'entrer en contact avec lui, de le toucher au moins superficiellement. Sinon, on ne comprendrait pas cette suite de miracles qui ont fait qu'à partir de la physique quantique, on a pu fabriquer des lasers, toutes sortes de choses. Les lasers, vous pouvez dire qu'ils répondent à un besoin d'une communauté qui voulait que de la lumière cohérente soit produite, et que par une suite de tâtonnements, on a fini par en faire. Ça, c'est l'explication des sociologues des sciences très relativistes. Moi, je préfère penser que Planck, Einstein et quelques autres ont compris 2-3 bricoles sur l'interaction lumière-matière, et que c'est qu'à partir de ce qu'ils ont compris qu'on a pu faire des lasers. Sinon, je crois que on est obligé de penser l'efficacité de la physique en termes de miracles successifs, très abondants, et ça devient proliférant. Et donc, la question, c'est comment viennent les idées. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Et quand on essaie de trouver une définition de l'idée, on voit que c'est pas simple. C'est un peu le même problème que le problème d'isoler des mots dans le langage. Hein. Les gens qui s'intéressent à l'origine du langage conviennent que des groupes humains ont d'abord communiqué par des borborymes, par des onomatopées, par peut-être des cris, etc. Mais ils ne savent pas comment, à partir de ces cris, on a pu fabriquer des mots. C'est-à-dire que dans une suite de sons, on dit « tiens, ça c'est un mot ». De la même façon, quand dans le cerveau on voit que des pensées circulent ou que des événements cérébraux, disons, se produisent, à partir de quand dit-on que dans ce terreau mental surgit ce qu'on appelle une idée? Alors, autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle une idée? Il y a un mathématicien que tu connais bien qui s'appelle Gromov, qui lui pense que l'inconscient est un lieu dans lequel se déploient en permanence des idées chaotiques, des atomes d'idées, en quelque sorte. Et que le mathématicien, c'est celui qui, à partir de ce magma informel, non structuré, lorsqu'une idée percole dans la conscience, est capable, ou un atome d'idée percole dans la conscience, il est capable de la saisir et d'en faire une théorie ou autre chose qui relève du champ des mathématiques. Moi, je m'étais intéressé à des textes de mathématiciens qui ont raconté leurs eureka, parce que évidemment, la meilleure façon de penser la chose, c'est de dire il y a des eureka. Et certains ont raconté des eureka, par exemple Laplace, par exemple Ampère, par exemple Poincaré. Bon. Poincaré est celui d'ailleurs qui a le plus élaboré la chose. Et ces gens nous racontent qu'il y a un avant et un après. Mais l'eureka lui-même n'est jamais décrit. Alors, il n'est jamais décrit, il n'est jamais explicité. On dit tout d'un coup, j'ai compris. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne le dit pas. Et les circonstances dans lesquelles on comprend peuvent être très variables. Ça va de ce que raconte Ampère, où il dit qu'après une sorte de réflexion permanente de 7 ans, tout d'un coup, bing, et il pense que c'est Dieu qui l'a aidé. Poincaré, à propos des fonctions fuchsiennes, raconte ça, c'est très célèbre comme texte, c'est un texte magnifique d'ailleurs, hein.
Et il raconte que, en fait, il a buté sur ce problème pendant des jours et des nuits, même des nuits, parce que pour une fois, il a pris du café le soir et ça l'a fait turbiner. Il était désespéré parce qu'il ne tombait que sur des impasses. Et il a décidé d'abandonner. Et il va se distraire en faisant une petite course avec ses collègues de l'école des mines à Coutances. Et il discute avec un collègue et c'est en mettant le pied sur le marchepied d'un omnibus que tac. Et il raconte que il sait qu'il a l'idée, il sait qu'il a compris. Et il n'a pas besoin d'interrompre la conversation qu'il est en train d'avoir avec son collègue. Et il sait que le soir, en rentrant, il va pouvoir mettre au propre la démonstration et c'est ce qu'il a fait. Mais on n'a rien compris de ce qui s'est passé dans sa tête. Lui-même ne le sait pas. Mais il utilise le mot inconscient. Et il dit on sous-estime le rôle de l'inconscient dans la formation des idées. Je ne sais pas quel était l'usage du mot inconscient à l'époque, s'il était référencé à Freud ou pas. En tout cas, si maintenant j'en viens à la physique, c'est un peu la même chose. Les physiciens ont des espèces d'eureka qui peinent beaucoup à expliciter. Alors, dans un petit livre, j'en ai raconté 7. J'ai pas le temps de tous les commenter, évidemment. Mais ces exemples sont suffisamment variés et suffisamment différents pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a aucune méthode. C'est-à-dire, évidemment, on peut imaginer toutes sortes de choses. L'esprit humain est capable d'imaginer toutes sortes de choses. Mais le propos du physicien, ça n'est pas de savoir ce qu'on peut imaginer. C'est de savoir deux choses. La première est de savoir si ce qu'on peut imaginer est vrai, première question. Et deuxièmement, est-ce que ce qui est vrai est imaginable? Deuxième question. D'accord. Vous parliez de la théorie de l'unification, la théorie du tout. Est-ce qu'elle est pensable? Est-ce qu'il est pensable que nous l'atteignions? Et si nous l'atteignons, saurons-nous la comprendre? Et pourrons-nous comprendre intellectuellement et imaginer ce qu'elle implique? Rien n'est moins sûr. En fait, dès lors que on admet l'existence d'un réel indépendant, quand on fait de la physique, se pose la question de ce que les philosophes appellent la théorie de la connaissance. C'est-à-dire, on prend acte du fait qu'il y a une séparation entre l'objet qu'on veut connaître et le sujet qu'il veut connaître. Et Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, dans sa longue introduction, explique que ça, c'est un problème très compliqué. Il faut admettre, premièrement, l'idée d'une séparation radicale entre l'objet et le sujet. Il faut admettre, d'autre part, l'idée d'une récalcitrance de l'objet, c'est-à-dire l'objet ne se donne pas immédiatement. Et donc, la question qu'il pose est comment ce qui est en soi, c'est-à-dire comment ce qui a des propriétés qui lui sont propres, peut devenir pour moi. C'est sa fameuse question, comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi? Comment cette séparation peut être investie, colonisée par des structures cognitives qui permettent que je connaisse les propriétés de ce qui n'est pas moi? Et évidemment, les théories de la connaissance qui existent se disputent à propos de la question de savoir où se situent les structures cognitives. Certains la mettent dans l'objet. C'est la théorie de Platon, l'esprit sot, c'est-à-dire l'objet va m'envoyer des signaux qui vont remplir mon esprit par des, je ne sais pas comment appeler ça, par des informations, disons, qui vont me dire indirectement quelles sont les propriétés de l'objet qui m'a en quelque sorte rempli. Il y a des gens qui les mettent dans le cerveau et qui pensent que la découverte n'est jamais qu'une introspection. C'est-à-dire, mes structures cognitives sont en moi et ce sont elles qui se projettent sur le réel et l'investissent des propriétés que mon cerveau a déjà pu élaborer. Bon, c'est Kant, c'est le changeux aujourd'hui, qui pense que finalement la découverte n'est jamais qu'un vecteur d'introspection. Thèse que personnellement je refuse radicalement à cause du boson de Higgs. C'est-à-dire, pas seulement, mais ça me semble impossible d'appliquer cette thèse à ce qui se passe lorsque se produisent des découvertes. Mais je vous donne quand même 3 exemples pour que vous compreniez la diversité des occasions et des événements qui mènent à une découverte. Bon, il y a un exemple qui est très célèbre, qui est l'équation de Schrödinger, qui est l'équation de base de la mécanique quantique. Louis de Broglie passe une thèse ici à Paris en 1923, dans laquelle il démontre que
pour des arguments qui viennent de la relativité restreinte, une particule de matière est forcément associée à une onde. Et la question que se pose Schrödinger, c'est quelle est l'équation qui pilote cette onde, son comportement, disons, spatio-temporel. Et il cherche, il ne trouve pas, il fait une espèce de dépression, en fait. Il habite à Vienne à l'époque, et avec l'autorisation et la bienveillance de sa femme, il a l'autorisation, donc, de partir 15 jours à Rosa, dans les Grisons, faire du ski avec sa maîtresse. Et lorsqu'il rentre de ces 15 jours de vacances, il a l'équation de Schrödinger, il a la solution de l'équation de Schrödinger appliquée à l'atome d'hydrogène, et il envoie tout ça à une revue scientifique qui publie ses papiers. Et quand son ami Hermann Weyl lui demande comment il a trouvé l'équation, il a dit cette phrase célèbre: c'était à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Alors tardif, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il avait 37 ans ou est-ce que ça veut dire que ça a duré longtemps? Je ne sais pas. Mais donc, mystère complet. Je pourrais raconter comment Einstein a été mis sur la voie de la théorie de la relativité générale. Ça se passe en 1907. Einstein est à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Il y est depuis 7 ans. En 1905, il a fait les 5 papiers incroyables correspondant à cette année miraculeuse de la physique qui est l'année 1905, parmi lesquels il y a le papier sur la relativité restreinte, 5 papiers qui chacun mériterait un prix Nobel. Mais il n'a toujours pas de poste à l'université. Donc en 1907, il est toujours là. Et Einstein est quelqu'un qui pensait avec son corps, c'est-à-dire il mettait son corps en situation, en quelque sorte. Et il faisait des rêves semi-éveillés, dans lesquels ou au cours desquels il essayait d'éprouver les lois physiques par son corps. Et il raconte dans son autobiographie scientifique que un jour de mai, il était après le déjeuner assis sur son tabouret, là, il rêvasse. Et il a l'idée dont il dit qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Et quand il l'a eu, il a été pris de tremblements. Enfin, chez lui, on veut dire qu'il a eu vraiment des symptômes physiques. Hein. Et cette idée est toute bête, il a compris qu'un objet qui tombe, ou un corps qui tombe, ne sent pas son propre poids. D'accord ? Un corps qui tombe ne sent pas son poids. Ce qui est une phrase énigmatique, parce que si vous tombez, c'est précisément du fait de votre poids. Mais ce qu'il comprend, et c'est lisible dans les équations de Newton, hein, c'est simplement quelque chose qui est écrit dans les équations, mais que personne n'avait vraiment considéré comme une implication très forte. C'est que quand vous tombez, les objets qui tombent avec vous tombent comme vous. En vertu de la loi de Galilée, tous les corps tombent de la même façon. Donc votre chapeau, votre portefeuille, votre parapluie, lorsque vous tombez, tombe exactement comme vous, à la même vitesse que vous, donc par rapport à vous, il ne tombe pas. Et donc, le fait de tomber supprime la gravité qui vous fait tomber. D'accord ? Le fait de tomber supprime la gravité qui vous fait tomber. Donc, et ça, c'est dans Newton. Hein. Mais Einstein dit ça doit être les bases d'une nouvelle théorie de la gravitation. Il va y travailler pendant 7 ans, 8 ans même, avec d'autres, des mathématiciens. Et en novembre 1915, il va publier une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui est simplement partie de cette idée qu'il a fallu ensuite habiller par un formalisme mathématique très compliqué. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle le calcul tensoriel. Mais l'idée de base est très simple, si vous voulez. L'idée de base est très simple. Et quand tu disais, ça me fait penser à ça, que le mathématicien, c'est quelqu'un qui aime être contredit. En fait, le physicien aussi, il aime bien être contredit par le réel. D'ailleurs, la découverte du boson de Higgs a créé au CERN, qui est le laboratoire qu'il a découvert, une forme de dépression, au sens où... Non, mais c'est sérieux. C'est au sens où on l'a attendu pendant 48 ans, cette particule. On l'a cherché, on l'a pas simplement attendu comme ça. On a construit des machines. Non, on voyage pas léger. Hein. Le LHC, c'est 27 km de circonférence dans un tunnel franco-suisse. Enfin, c'est extrêmement lourd.
Donc c'est un effort énorme dont je pense que vous ne mesurez pas la ténacité qu'il réclame de ces gens-là. Et quand on a vu les premiers signaux du Higgs, c'est une courbe qui se déforme un peu selon ce qu'on avait calculé. Les gens ont une réaction toute simple, ils pleurent. D'accord, il faut quand même ces pleurs, c'est le contact avec le réel. On sait qu'à ce moment-là, on touche du réel, du vrai réel. Pas du réel qui se donne par l'observation directe, du vrai réel. Et le statut de ce réel est une question intéressante, mais si vous voulez, ce que je disais là, c'est que on aime être contredit, mais quand on l'est, on oublie qu'on l'a été, assez rapidement. Je veux dire par là que, je prends l'exemple de mes étudiants, qui sont des scientifiques, ils ont fait des classes préparatoires, ils sont à Centrale, ils ont mangé des équations de Newton, mais à haute dose. Hein. Ils savent faire des calculs de mécanique céleste, avec une vitesse extraordinaire. Mais quand vous les prenez à froid, et vous leur dites, mais finalement, qu'est-ce qui se passerait, expérience de pensée ? Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait remplacer la Terre par une théière ? Quelle serait sa trajectoire ? Il y en a un tiers qui répond que la théière va partir à l'infini, un tiers qui répond qu'elle va tomber sur le Soleil, et un tiers qui est en gros sans opinion. Alors que la trajectoire de la théière sera la même que celle de la Terre. Exactement la même. Ça, Newton le savait. C'est la même loi que le Galilée. Le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Et la Lune ? Et la Lune, pareil. Hein, donc, la Lune autour de la théière ? La Lune autour de la théière ? Oui. Mais ça, c'est une situation qui n'existe pas. Donc il s'agit de... Non, mais si vous remplacez la Lune par une théière, la trajectoire de la Lune sera la même. Non, non, la Lune autour de la Terre. La Terre étant une théière, qu'est-ce que deviendrait la Lune ? Elle se barrerait. Ah, bien sûr. Et là, je parle... Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des problèmes, quand même. Non. Non, mais la Lune n'a pas un effet très, très important sur la trajectoire des autres planètes du système solaire. Non, en tout cas, si on suppose qu'il n'y a que ces corps... on prend un problème à deux corps, si vous voulez, vous êtes d'accord avec moi. Et quand ils font la mécanique céleste, c'est toujours des problèmes à deux corps. Parce qu'à trois corps, ça devient chaotique. Donc je prends le problème à deux corps, on peut sophistiquer. Et encore, quand on a un problème à deux corps, et que le premier corps crée un champ de gravitation, la trajectoire de l'autre corps dans ce champ de gravitation est indépendante de sa masse. Vous êtes d'accord avec ça ? Ben, vous pouvez l'écrire, l'équation. Mais si, c'est évident. La force est G, la constante de Newton, fois la première masse, fois la deuxième masse, divisé par la distance au carré. Et ça, c'est m fois l'accélération. Bon, vous simplifiez par là. L'accélération est indépendante de la masse du corps, parce que ça simplifie. Okay ? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que nous pouvons être habiles à manier des équations de physique sans du tout voir ce qu'elles impliquent et continuer d'avoir de la gravitation une lecture aristotélicienne en 2014. C'est-à-dire, nous faisons comme si la trajectoire d'un corps dépendait de sa masse. Alors que les équations montrent le contraire, mais on ne les a pas pensées. Excusez-moi. Oui. Ça serait une théière de même masse que la Terre. Pas besoin. Non. C'est ça ? Non. Justement. Non. Oui. Mais si c'est la masse d'une théière, ben la Lune, elle fout le camp. Je ne parle pas de la Lune, je prends un problème à deux corps. Non, non, non. Je prends un problème à deux corps. Je suppose qu'il y a le Soleil et la Terre. Et je remplace la Terre par une théière. On ne va pas y passer la matinée. D'accord ? Bon. Et alors, il y a un autre exemple, alors, qui pour le coup a été l'objet de beaucoup de travaux, c'est que parmi tous les pères fondateurs de la physique quantique, il n'y en a qu'un qui s'est vraiment intéressé au problème de la découverte, notamment de ses découvertes. Et ce quelqu'un, c'est Wolfgang Pauli. Pauli, qui a inventé le principe d'exclusion de Pauli, etc., qui était un type très tourmenté à l'intérieur de lui-même et très cassant à l'extérieur. On l'appelait le fouet de Dieu, hein, c'est-à-dire qu'il était... en fait, il cassait tout le monde, quoi. Mais lui-même était très, 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 très tourmenté par toutes sortes de questions. Et on comprend pourquoi... En 1927, il s'est marié à une danseuse qu'il a assez rapidement quittée pour un chimiste.
Et ça, pour un physicien théoricien, c'est très très dur. Et là, il a commencé à vraiment péter les plombs, il est devenu alcoolique, il s'est drogué, etc. On l'a même vu se battre dans des bars de Zurich. Enfin, et son père s'est vraiment inquiété. Et l'a sommé de prendre contact avec Jung, qui habitait la même ville, pour entamer une psychanalyse. Et Paoli a écrit une lettre à Jung, qui commence par ces mots « Ma femme m'a quitté pour un chimiste. Si elle m'avait quitté pour un matador, j'aurais pu faire quelque chose, mais un chimiste, que faire ?» Ce chimiste s'appelait Goldfinger, c'était un très très bon chimiste. Goldfinger, c'est quand même tout un programme. Bon, bref. Et il a donc entamé une psychanalyse qui a duré très longtemps, qui a duré jusqu'à sa mort, en fait, en 58. Et Jung a interprété 400 des 1000 rêves qu'il lui a envoyés, donc c'est beaucoup. Bon, moi j'ai fait un petit livre hein, qui raconte, c'est un tout petit livre, qui est une conférence, qui raconte cette correspondance et comment Paoli, en fait, a été complètement piloté psychiquement par la Gematria. Et par le passage entre le 3 et le 4, ce qui lui a permis de prédire le spin des particules. Enfin bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, très confuses. C'est la cabale. C'est la cabale. D'ailleurs, il a. J'ai plus le temps, mais si vous voulez, je. Il y a un nombre en physique qui s'appelle la constante de structure fine, qui est le carré de la charge électrique divisé par la constante de Planck divisé par la vitesse de la lumière. C'est un nombre sans dimension. Donc c'est un vrai nombre, un nombre pur, disons, et qui mesure l'intensité de l'interaction électromagnétique comparativement à l'intensité des autres interactions. Et ce nombre, il vaut 1 sur 137. Donc l'inverse d'un nombre entier. Alors que c'est des constantes physiques, le carré de la charge électrique, la constante de Planck, c'est des nombres dimensionnés. Et quand on fait ce rapport, la dimension disparaît, mais on s'étonne de trouver un nombre entier. D'autant que la Gematria permet d'écrire le mot cabale avec des chiffres et ça donne 137. Et donc, en gros, la constante de structure fine, c'est 1 sur la cabale. Quoi. Donc, c'est la numérologie. Ouais, donc Paoli devient complètement hystérique là-dessus, mais il n'était pas le seul. Beaucoup de gens pensaient que si on comprenait l'origine de ce nombre, on comprendrait les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique. Et donc, Paoli est parti là-dedans. De façon complètement délirante, en fait. Hein. Et en vain, puisqu'on s'est rendu compte après la Deuxième Guerre mondiale, en faisant des mesures beaucoup plus fines, que ce nombre n'était pas entier. C'est 137,002, etc. Donc, c'est pas la peine de s'énerver avec ça. Et de faire de la numérologie de bas étage. Mais, lorsqu'il est mort, en 58, il est mort le jour de ma naissance, c'est pour ça que je connais. En fait, il donnait un cours à Zurich, il a été pris d'un malaise, on l'a emmené à l'hôpital. L'hôpital de la Croix-Rouge à Zurich, qui existe toujours, et il était inconscient, et on l'a mis dans la chambre 137. Et il a repris conscience, et il a vu ça, et c'est pareil, il a déliré à nouveau pendant une semaine, et il est mort. En se demandant ce que voulait dire ça, et pourquoi on l'avait mis là, etc. Voilà. Et donc, voilà, il y a des questions qui sont, si vous voulez, non résolues. La première, c'est la question du statut de l'idée. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Et comment émerge-t-elle dans le magma des événements cérébraux? Moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, j'ai jamais trouvé de réponse convaincante. La deuxième question, c'est celle de notre relation à l'objet et d'où vient notre capacité à le saisir, par le biais des mathématiques, enfin, d'une partie des mathématiques. Et c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, c'est que on est forcément, quand on est physicien, ému par l'efficacité opératoire des mathématiques en physique. Même sur des résultats très simples. Par exemple, vous faites le calcul d'un circuit RLC, il y a une résistance, une inductance et un condensateur, ça se fait au lycée, équation différentielle. Vous calculez, compte tenu des paramètres de votre circuit, comment doit évoluer le courant électrique ou la tension aux bornes de tel ou tel appareil. Vous faites le calcul, vous faites une mesure, c'est la même chose.
C'est quand même bizarre. Vous avez fait des équations, ou je ne sais pas où. Vous venez dans le réel empirique, vous faites des mesures, ça marche. Quand vous faites de la mécanique quantique, l'endroit où vous manipulez des équations, ce n'est pas du tout l'espace physique à trois dimensions, c'est des espaces de Hilbert, des espaces vectoriels, qui peuvent avoir un nombre infini de dimensions. Vous êtes là-bas, à appliquer le principe de superposition. À la fin, vous obtenez un nombre réel qui doit correspondre à une possibilité pour un résultat de mesure. Vous revenez dans mon empirique, vous voyez la même chose. D'accord ? Or, en physique quantique, on s'émancipe du réel empirique pour venir dans des espaces abstraits, et on crée ainsi un espèce de décalage, une brèche, dans laquelle viennent s'engouffrer toutes sortes de questions sur le lien entre l'objet et sa représentation. Et si les gens ont pleuré en voyant le signal du Higgs, c'est parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'en faisant des calculs infernaux avec le Lagrangien du modèle standard, qui est infernal lui aussi, on arrive à saisir du réel. Alors, il y a un prix Nobel de physique qui s'appelle Eugène Wigner, qui était le beau-frère de Dirac, qui a écrit un article très célèbre en 1960 qui s'intitule « De la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique ». Le mot anglais, d'ailleurs, c'est « unreasonable » qui a été mal traduit. Il ne dit pas que c'est déraisonnable, au sens où ce ne serait pas raisonnable de le faire. Il veut dire par là que on n'a pas d'argument rationnel qui permette d'expliquer cette efficacité, cette capacité de saisir du réel par les mathématiques. Et à la fin, il parle de miracle. Il dit que c'est une sorte de propriété magique que nous ne méritons pas, dit-il, et que nous ne comprenons pas. Et la question est de savoir si c'est vraiment un miracle. On peut tout à fait développer la thèse suivante, qui est de dire que, ça c'est dans Marc de Dirac, son beau-frère, qui est de dire que les mathématiques qu'on utilise en physique, c'est pas n'importe quelle mathématique. C'est des mathématiques, ou des formalistes, qui permettent ou mettent à disposition une grande richesse de quantités invariantes. Et ces quantités invariantes, ça peut être des structures, ça peut être des nombres, ça peut être des formes, ça peut être des propriétés, qui demeurent les mêmes quand on change de point de vue. Et donc, c'est, par exemple, en mathématiques, on utilise beaucoup la théorie des groupes, pardon, en physique, ou la théorie des fonctions de la variable complexe, qui sont des théories dans lesquelles on peut construire beaucoup d'invariants. Et la question qu'on peut se poser est de savoir si c'est un hasard ou si c'est une nécessité. Et Dirac, qui avait fait cette remarque, était un type qui parlait très très peu, était connu pour ça, parce qu'il pensait que le langage ne devait servir qu'à dire des choses vraies. C'était pas du tout fait pour bavarder, pour donner corps à la subjectivité de son intellect. Non, on parle pour dire la vérité. Tant mieux, on parle pas beaucoup. Et les gens étaient terrorisés à l'idée de lui adresser la parole. Et Paoli, le même Paoli, raconte dans un de ses livres qu'un jour, il était en face de Dirac, ils ne se connaissaient pas très bien, ils étaient dans le même train, et Paoli ne savait pas trop comment adresser la parole à Dirac. Et donc il saisit l'occasion qui est que le train traverse une prairie dans laquelle il y a des moutons qui sont en train de paître, et Paoli dit à Dirac, « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Bon, Dirac se colle à la vitre, regarde les moutons, revient vers Paoli, il dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Ce que vous voulez dire, il voulait pas dire de ce côté-ci du train, il voulait dire de ce côté-ci des moutons. Autrement dit, quand nous disons que les moutons sont tondus, notre cerveau, en fait notre système perceptif, manipule une sorte de principe d'invariance, un logiciel d'invariance par lequel une vue partielle nous conduit à des conclusions générales. D'accord ? Eh bien, on peut se demander si les mathématiques en physique ne font pas la même chose dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. C'est-à-dire, on ne voit pas les particules, on n'a jamais vu un boson de Higgs, on n'a jamais vu un électron, on n'a jamais vu un quark. Mais le fait qu'on utilise des mathématiques qui sont riches en invariants nous permet de prolonger dans le domaine de l'invisible ce que fait le cerveau dans le domaine de la vision. C'est-à-dire, nous décrivons des éléments de réalité
par des structures mathématiques qui sont invariantes par différentes transformations. Parce qu'un élément de réalité dont la réalité dépend du point de vue n'est pas un élément de réalité. Alors si je dis cette bouteille est une bouteille parce que j'en ai une vue partielle et en faisant un demi-tour autour d'elle, je ne vois plus de bouteille, c'est que ce n'est pas une bouteille. D'accord ? Autrement dit, pour pouvoir saisir un élément de réalité, il faut le décrire par quelque chose qui est invariant selon certains types de transformations. Et c'est précisément ce que fait la physique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Oui, alors je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez, c'est peut-être intéressant d'avoir insisté sur ce moment insu ou non dit du moment de la découverte, hein, de ce qui se cristallise, on va dire, sur une formule mathématique. Et Lacan a essayé de mettre des mots là-dessus. Il a opposé deux termes qu'il a appelés ruissellement, ravissement. Ruissellement correspondant justement, pour le dire en trois mots, hein, ruissellement correspondant à tous ces morceaux épars qui viennent se répartir sur le sol. Ça peut être aussi l'ensemble des signifiants que l'analysant vient déposer dans le cabinet du psychanalyste. Et puis ravissement, lorsqu'il y a des morceaux comme ça qui s'assemblent, avec la jouissance qui est associée, évidemment, hein, le ravissement. Et ça ne met pas de côté cette dimension de jouissance tout à fait perceptible et évanescente. Oui, sans doute. Je ne sais pas si on peut transposer comme ça les situations, mais disons que c'était la première fois qu'on avait une information venant directement du vide quantique. Et pour que vous compreniez l'éloignement de ce réel par rapport à nous, il y a une jauge possible qui est de comparer la taille des deux articles publiés en 1964 par des physiciens théoriciens, Higgs, qui a donné son nom à la particule, et puis deux autres qui s'appellent Englert et Bout. À 15 jours d'intervalle, ils ont écrit le même papier sans le savoir. C'est des papiers d'une page et demie de calcul de théorie des champs. Et dans lequel ils disent que pour comprendre les choses en modèle standard, il faut absolument qu'une particule existe qui fasse ceci et cela, etc. Et la taille de l'objet qu'on a dû construire pour vérifier qu'ils avaient raison, c'est cette machine qui s'appelle le LHC, qui a coûté 3 milliards d'euros, et que je vous invite à visiter, parce que même si vous la voyez en photo, vous ne vous rendez pas compte. Les gens qui rentrent dans la caverne où sont les détecteurs, ils sont scotchés. D'ailleurs, on a mis un appareil photo à l'entrée qui les photographie de façon automatique, que tous les gens ouvrent la bouche. Et donc, c'est impossible de ne pas ouvrir la bouche. C'est au CERN, à Genève. Et donc, c'est un spectacle incroyable. Vous demandez pourquoi des gens construisent ça et pourquoi faire. Ça, c'est bien ce que vous dites sur la question de hors de l'esprit. Ça, c'est... Ouais. Et donc, ça veut dire que pour aller chercher des informations sur ces sujets-là, il faut vraiment s'en donner les moyens. Même si la démarche intellectuelle qu'ont suivi ces trois physiciens en 64, ils avaient 25 ans, c'est exactement celle de Galilée. Autrement dit, du point de vue de la méthode, on n'a pas changé. On a changé évidemment par les moyens qu'on utilise. Mais quel était le problème? Je vous le fais en très court. Les trois interactions fondamentales qui agissent au niveau des particules, les interactions nucléaires et l'interaction électromagnétique, ont été décrites à partir des années 50 avec l'idée qu'on peut leur associer un groupe de symétrie mathématique. Donc à chaque interaction correspond à un groupe, et le fait de dire ça, ça permet de construire ce qu'on appelle les théories de jauge. Bon, peu importe, de jauge. Bon. Et ça marche super bien, au sens où on a une théorie qu'on appelle le modèle standard qui permet de comprendre tous les résultats des expériences qu'on fait à l'époque au CERN, aux États-Unis, en Union soviétique. Il y avait une sorte d'émulation, une sorte de concurrence entre ces blocs, où les découvertes de particules avaient le même prestige que les médailles olympiques, hein, c'était à peu près la même chose. Et ça marchait donc très bien, on avait donc une théorie effective, opératoire, qui rendait compte des données. Mais il y a des gens qui ont regardé les choses de plus près au niveau des équations, et qui ont regardé ce qu'impliquaient ces équations vraiment. Et ils se sont rendus compte que ces équations, si elles étaient vraies, impliquaient que les particules élémentaires devaient avoir une masse nulle.
et même que toutes les particules élémentaires devaient avoir une masse nulle, ce qui n'est pas ce qu'on mesure. L'électron a une masse non nulle, les quarks ont une masse non nulle, etc. Et donc il y a une contradiction entre la théorie et les faits, pour les mesures. Et la plupart des physiciens ont dit, on s'est trompé, il faut changer de truc, il faut trouver d'autres techniques mathématiques permettant de décrire les interactions. Puis les trois physiciens, les jeunes que j'ai bien cités, ont dit, maintenant il faut se souvenir de Galilée. On peut expliquer le réel par l'impossible. Et il se pourrait bien que nos équations aient raison, que les particules élémentaires n'aient pas de masse, et que nous, physiciens, depuis Newton, on se trompe sur le concept de masse. Et leur petit papier, c'est juste de dire, il se peut que le vide soit pas vide, que dedans il y a un champ quantique avec lequel les particules sont en interaction plus ou moins forte, et c'est cette interaction qui engendre l'inertie qu'on interprète comme la masse. Donc la masse, au lieu d'être une propriété des objets, est une propriété indirecte qui résulte de l'interaction de particules sans masse avec le vide qui n'est pas vide. Et ça, c'est une découverte quand même fabuleuse. Parce que si on la prenait au sérieux, si on la prenait vraiment au sérieux, à la rentrée scolaire prochaine, on changeait tous les livres de physique de seconde. Évidemment, on ne va pas le faire. D'accord ? Mais notre façon de comprendre la masse a complètement changé. Il y a une question, c'est plus la question de l'idée, comme dit, parce que c'est une idée. C'est une idée qui tente d'aller nommer, on va chercher une autre, une autre. Il n'y a pas de multiple possible tout de suite. Il faut de l'écriture mathématique ou je ne sais pas quoi. Pour faire qu'il y ait des multiples. Oui, mais. Qu'est-ce que c'est que ce une ? Mais justement, il n'y en a pas qu'une. C'est-à-dire, il y a énormément. Regardez, il y a énormément d'idées, de théories, mais la plupart sont fausses. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point il y en a qui sont fausses. Et quand. C'est ma grande guerre avec les sociologues des sciences. Ils pensent qu'on a choisi ça parce que ça nous faisait plaisir. Mais ils n'ont pas idée de toutes les idées qui ont été plantées. Mais pourquoi elles se succèdent ? Il y en a une, puis une autre. Mais non, ça prolifère. Dans le temps, Ça prolifère. Et regardez le fait que Englert et Brout aient eu la même idée que Higgs alors qu'ils ne se connaissaient pas, etc. Ça veut dire d'une part qu'ils étaient des génies, mais en même temps qu'une certaine question se posait. Une certaine question. Et quand vous avez une question, les idées qui germent pour y répondre sont innombrables. On a trop d'idées. D'accord ? On a trop d'idées. Et comme vous le savez peut-être, regardez, par exemple, il y a trois semaines, les Américains ont annoncé qu'ils avaient vu une polarisation du fond diffus cosmologique qui était la preuve de l'inflation cosmique. Et évidemment, c'est en train d'être démenti parce que leur signal est peut-être dû aux poussières de la galaxie. Donc. N'empêche que le satellite Planck va peut-être confirmer leur découverte, à savoir qu'il y a eu une inflation cosmique dans l'univers primordial. Si c'est avéré par le biais de la polarisation du rayonnement qui a été induite par les ondes gravitationnelles émises par le vide quantique à cette époque-là, si c'est avéré, il y a des centaines de modèles de cosmologie qui vont mourir. Des centaines. D'accord ? Parce que pour aller au-delà du bord de Planck, je peux vous dire que ça gamberge. Et que des modèles, il y en a un par jour. Et la plupart sont faux. Et la question, c'est comment savoir lesquels sont faux. Pour le savoir, il faut aller toucher le réel. Et toucher le réel, c'est pas si simple. Je voudrais vous demander une question très naïve par rapport à ça. Vous disiez, et j'avais entendu déjà dire ça, on n'a jamais vu un boson de Higgs. Non. Donc, qu'est-ce qu'on voit et qui fait pleurer ou qui émeut tellement? Mais justement, quelle est la preuve? Le boson de Higgs a une durée de vie de 10-23 secondes. D'accord. Donc, on ne va pas faire grand-chose avec. D'autre part, il n'en existe plus. Il n'y a plus de boson de Higgs dans l'univers. Donc, il n'y en a plus. Quand on dit qu'on l'a découvert, c'est un abus de langage. Le boson de Higgs, il y en avait dans l'univers primordial quand il y avait beaucoup d'énergie. Et ce qui reste, c'est le champ de Higgs. Et les quantas de ce champ, c'est les bosons de Higgs, qu'on peut faire apparaître artificiellement en faisant des collisions de protons qui vont donner au vide quantique l'énergie qui lui manque pour que les particules qui sont virtuelles deviennent réelles. Donc, en fait, on reproduit dans le présent les conditions physiques du passé. Et comme les lois n'ont pas changé, on ne voit pas, il n'y a plus de bosons de Higgs dans l'univers. Donc, quand, je me souviens, ça m'avait scandalisé, quand le 4 juillet 2012... Ça devrait vous interroger non pas en tant que psychanalyste, mais en tant que citoyen. Parce que c'est... Le 4 juillet 2012, on annonce la découverte du Higgs. Mais pas un homme politique n'a commenté ce truc.
Alors que c'est quand même un événement politique aussi, parce que c'est l'Europe qui a trouvé le Higgs, c'est pas les Américains. Mmh. Et c'est parce que l'Europe s'est organisée avec le CERN sur un projet à très long terme, a décidé de financer une discipline et non pas des projets particuliers, qu'on a pu le trouver. Il y a une sorte de... Parce que la science européenne, elle remarche très bien. On aurait pu le dire, mais non, rien. Par contre, le 17 juillet, paraît dans Le Monde un article d'une demi-page écrit par M. Domoros, qui est l'ancien ambassadeur de France au CERN au moment de sa création en 54. Genre, il n'est pas jeune. D'ailleurs, il a 104 ans. Il écrit toujours. Il écrit toujours, et il écrit que la découverte du boson de Higgs va avoir autant d'applications possibles que la découverte de l'électricité. Il est vieux, quoi. Alors, que font les hommes politiques quand ils disent ça? Rien, le PIB, etc. Voilà. Et donc, un ministre important demande à visiter le CERN, voilà, en pensant qu'il va y avoir des points de croissance liés au boson de Higgs. Donc, on lui fait visiter le truc, et il comprend que ça va pas être facile. La durée de vie d'Isma 23 secondes, il faut une machine de 27 km pour produire 100 en 3 ans. Et bref. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est juste pour dire que le fait qu'on ait compris quelque chose ne compte pas dès lors que ce qu'on a compris n'est pas utile. Et donc, pour répondre à votre question, ce qu'on voit, c'est comme la C-particule se désintègre dès qu'elle est formée, c'est des particules qui laissent des traces dans les détecteurs dont elles sont la signature. C'est-à-dire qu'on est capable, par nos équations, de dire comment ils peuvent se désintégrer de mille façons possibles et en forme de les repérer. On dit la particule mère, c'est forcément le boson. Le miracle est moins un miracle. Ah, c'est encore plus un miracle. Ah oui, si vous voyez un os et vous dites qu'il y avait un dinosaure, il est beaucoup plus fort. Et vous dites comment était le dinosaure, etc. Et vous n'avez qu'un os. C'est beaucoup plus fort que de le voir directement. Alors le fait croire, si vous avez dit, ça ne sert à rien votre truc, si ça sert à rien, bon. Et il vous a dit, si ça ne sert à rien, il va falloir que vous expliquiez beaucoup mieux ce que vous faites, etc. Et là, on lui a dit, mais. Peut-être qu'un jour, des ingénieurs qui sont très forts vont utiliser ce mécanisme par lequel les particules élémentaires acquièrent de la masse pour inventer une machine basée sur ce mécanisme par lequel on va pouvoir construire une machine permettant de réduire la masse corporelle des gens et donc résoudre un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. C'est une blague, non? Sauf qu'il n'a pas compris que c'était une blague. Et donc, il a fallu rétro-pédaler pour le moment. Non, mais c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est très grave. On peut, très bien, sur ces questions-là, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut dire absolument n'importe quoi sur le réel. Bon. Et ça, je trouve ça angoisse. Parce que je voudrais revenir sur quand même quelque chose, c'est juste pour avoir un point de vue, votre point de vue en l'occurrence, c'est l'intuition créatrice dans l'affaire. Qu'en est-il de l'intuition? Comment vous définiriez ça? Parce que moi, c'est une énigme, toujours, pour moi. Encore, je veux dire, qu'elle soit bertrandienne ou autre chose. Hein. Et puis, créatrice, certes, on met ça un peu à toutes les sauces, mais... Ça veut dire quoi? Bon, alors, je commence par le réel. Le réel, comment le définir? C'est un vaste sujet, surtout si on inclut dans la discussion les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique. Mais de façon brute, le réel, c'est ce qui dit toujours oui, et c'est ce qui dit toujours oui, et ce qui parfois dit. Pardon, quand je dis l'électron existe, c'est parce que quand j'interroge le réel à propos de l'existence de l'électron, il répond toujours oui. Autrement dit, j'ai jamais vu d'électron, mais l'électron est un ingrédient qui sert à tant d'explications de choses que postuler qu'il n'existe pas me mettrait devant un paysage complètement absurde. Autrement dit, je dis que l'électron existe parce qu'à chaque fois que le réel est sollicité à propos de la question de savoir si l'électron existe, il répond oui. Hein? J'en ai jamais vu un directement. Je n'ai vu que les effets qu'il laisse dans certains détecteurs, par exemple, les traces qu'il laisse.
mais je ne m'occupe pas de savoir quelle est sa nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un électron? En fait, c'est le quantat d'un champ électronique, c'est quelque chose que je ne peux pas représenter. Maintenant, quand vous avez, à propos du réel, une idée que vous mettez à l'épreuve par une expérience, si cette expérience a un résultat qui vous dit non, non, c'est pas comme ça. C'est que le réel a parlé. Donc, c'est un nouveau réel qui s'impose à vous et qui permet de dire qu'il y a un extérieur par rapport à moi. Alors, pour ce qui est de l'intuition créatrice, moi je me méfie de l'intuition créatrice parce que il y a un discours ambiant qui est qu'on doit innover tout le temps, que l'innovation, c'est ce qui va permettre de résoudre tous les problèmes qui se posent à nous, hein. C'est le credo de l'Union européenne, qui veut que l'Union devienne l'Union d'innovation. Bon. Et alors l'idée, c'est qu'il faut laisser parler les synergies, créer des ateliers de créativité, etc. Bon, c'est très bien, mais moi je ne conçois pas l'intuition comme décorrélée de la compétence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient leurs intuitions. Et donc, j'ai rien contre l'intuition. Il ne s'agit pas de la brider. Mais il s'agit de montrer que l'intelligence, elle avance comme un voilier. C'est-à-dire qu'il y a la voile qui permet d'avancer. Et ça, c'est l'imagination. Et puis, il y a la dérive qui empêche que ça dérive, justement. La quitte. Ça, c'est la raison. C'est les deux qui font qu'on ne va pas n'importe où. Oui, je pense que notre rapport à l'innovation, il pourrait être très positif, si vous voulez, mais il a été abîmé par un événement dont les psychanalystes auraient dû davantage parler et s'occuper, qui s'est produit sur toute la surface de la Terre au même moment, en tout cas dans tous les pays où les bébés sont poussés dans des poussettes, c'est le retournement des poussettes. Vous savez que dans les années 4, non, c'est pas la poussette, hein. Ah non, c'est pas les poussettes. Non, c'est la poussette des bébés. On les a retournés dans les années 90. À la suite de la papaïsation des pères en Norvège, hein. Le congé parental pour les pères. Donc les pères poussent les poussettes, mais ils veulent courir en même temps, donc ils retournent les poussettes. Et donc le bébé, au lieu de regarder sa mère ou son père ou quelqu'un qui le pousse vers l'avant, mais en regardant le visage de celui qui le pousse, donc avec des échanges de sourires, de grimaces, une connexion avec sa propre histoire, on retourne les poussettes. Et le mot, mais il voit que des inconnus, et évidemment, il a trouvé l'avenir. Et comme il était dans la bouche de la mère, moi, et la mère téléphone. Voilà, et donc moi, c'est juste une boutade pour dire que l'intuition créatrice, comme étant cette espèce d'idée qu'on serait tous géniaux, etc., et qu'à partir de nos intuitions, on peut faire de la science, c'est complètement faux, ça fait perdre beaucoup de temps. C'était plus précis que ça, ma question, c'est de savoir si vous pensiez que l'intuition était définissable. Parce que pour moi, c'est un problème majeur. C'est-à-dire qu'on parle de choses, vous disiez quelques reprises, et je suis assez soucieux de ça aussi, que si on tenait compte, effectivement, si on tient compte, effectivement, de ce que veut dire tel mot, alors on est un peu plus attentif, effectivement, aussi aux conséquences de la phrase qu'on constitue avec ce mot. D'accord ? Donc, d'où ma question sur qu'est-ce que c'est qu'une idée, qu'est-ce que c'est que le réel, qu'est-ce que c'est... C'est pas créatif, d'ailleurs, c'est créateur. Parce que là, si on parle de création, on parle pas de la même chose. Et donc, voilà, c'était pour avoir un... J'ai du mal avec ces mots comme vous. Voilà. Par contre, pour avoir étudié les travaux de quelques génies, qui sont les pères fondateurs de la physique quantique, c'est quand même des génies, quoi. Il y a pas Soto, Heisenberg, Schrödinger, Parolin, Dirac, Majorana. Il n'y a pas photo, c'est des génies. Il ne s'agit pas de relater des génies en imaginant que si on mettait 1000 types. Non. Alors que là, ce qui est un peu moins intelligent que ça ferait le même travail. Enfin, c'est vraiment des génies, c'est des gens qui ont une capacité singulière, à voir, non pas l'invisible, mais l'invu. C'est ce qui n'a pas encore été vu, mais qui est quand même là. C'est vrai pour le mathématicien, c'est vrai pour un artiste. Oui, mais là, je disais quand même que ce qui surgit de l'invu déjà là, c'est quand même dans un cadre déjà très bien organisé, au travail depuis longtemps, ce qui rejoint votre métaphore de la voix. Là, je ne généraliserai pas autant. On peut trouver. C'est parce que quand vous vous intéressez à la germination des idées scientifiques, c'est impossible de faire une théorie générale. Et vous trouverez vous avez sans doute raison, dans beaucoup de cas, mais vous trouverez un cas où c'est pas. C'est Tom qui disait ça. Oui, mais
J'ai été très frappée par l'histoire de Schrödinger qui, quand il fait autre chose que de penser à son truc impossible, et bien après, ça lui vient. Ça fait penser à ce qui se passe par Poincaré. Exemple. Hein? Poincaré. Ah, c'est Poincaré, j'ai vu que c'était Schrödinger. Oui, et ça me fait penser au rêve, c'est-à-dire qu'il y a des choses insolubles et puis il y a un rêve qui résout ça, comme si subitement, au niveau du réel, l'oreille des psychanalystes rejoignant le pôtre, c'est il y a quelque chose qui s'était connecté du fait qu'on ait laissé faire. Oui. Avec évidemment des formules physiques ou mathématiques, et nous, avec du langage, avec des mots. En fait, il y a sûrement quelque chose qui travaille en lui. Hein. Voilà. Mais l'autre exemple qui vient là, par l'esprit, c'est en analogie avec ce que vous dites, c'est on oublie un mot, on oublie un truc, on dit merde, merde, je l'ai. Lâche. Et ça revient. Mais c'est, bon, est-ce qu'on peut en déduire à partir de là une loi de... C'est tentant. Mais c'est toujours la tentation pour moi de à partir de ce genre d'exemple, de faire de généraliser, de faire une loi générale. Enfin, la variance et la peur, c'est quand même. Bien sûr, la variance et la peur, c'est meilleur. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on retrouve forcément. Je veux dire, c'est ça. Oui, on retrouve voilà. Alors, ça veut pas dire. Mais c'est ce que je veux dire, ça ne veut pas dire. La grande et concrète. Oui. Je voudrais poser une question du fond. Une question qui va beaucoup changer. Question de fond. C'est est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre la les psychanalystes considèrent qu'il y a une différence entre la perception et la conscience, c'est-à-dire que nous percevons énormément de choses dont nous ne sommes pas toujours conscients à cause par exemple du refoulement du réel qui est impossible. La cure, le travail d'un cure serait aussi de rendre possible la perception de la chaise à laquelle nous nous cognons sans la voir et qui est bien réelle devant nous. Est-ce que c'est possible? Sur la cure, je ne prononcerai pas, j'en sais rien. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne perçoit rien, en fait. Voilà. Même si c'est de ça, est-ce que tout le monde a regardé les tableaux? Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire que la conscience est un chiffre terrible. C'est terrible. En fait, on ne voit rien. Oui, mais ça correspond, dans notre travail, ça correspond à une certaine capacité qui est obscurcie par certaines angoisses, etc. Je ne vais pas maintenant aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'intelligence qui peut être égale et qui ensuite est comme ça recouverte par un brouillard qui est un brouillard psychique. Mmh. En fait. Bon, je pense qu'on est beaucoup plus connecté à soi-même que par le fait. D'ailleurs, quand on a un enfant en bas âge qui s'émerveille de voir une fourmi au fond d'une rigole, on découvre qu'il y a des rigoles, ça on ne savait pas, on découvre qu'il y a des fourmis dedans, ça on ne savait pas. Moi j'ai appris à regarder des choses grâce à mes enfants, mais je vois rien. Je circule avec. Comme tout le monde en pensant à des trucs, en regardant ce qui se passe. Bon, en se connectant à quelque chose de soi enfant déjà. Oui, parce qu'il y a un excès de réalité autour de nous. Mmh. Je trouve ça fascinant que dans les cafés, maintenant, il y a des télévisions sans son. Quoi. C'est... Mmh. Comme s'il n'y avait pas assez de réel, on met de l'image, il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. On ne regarde pas, mais c'est là, il faut que ça bouge. Enfin, c'est très bizarre, hein, notre façon de surinjecter de l'information dans un réel que de toute façon, on ne voit pas. On ne vient pas sur la théière. Non, non, mais juste, j'avais oublié, je n'ai pas dans ce moment. Mais l'intuition créatrice de la voir comme uniquement un phénomène individuel, je trouve que c'est une erreur. C'est une façon de théologiser, de psychologiser les choses, et qui est une erreur. Il vaut mieux s'intéresser à comment, parce que l'intuition créatrice, qu'est-ce que c'est? C'est justement un rapport à une doxa. C'est-à-dire, c'est renverser une doxa. Et c'est pas seulement la doxa populaire. Il y a une doxa aussi des... Impopulaires. Non. Hein? Il y a une doxa académique. Voilà. Il y a une doxa de la discipline. Hein?
ce que vous appelez les génies, et je trouve que c'est une mauvaise façon de considérer les choses, parce que c'est déifié, c'est... Non, c'est des génies. C'est mais non, mais ça c'est de la doxa. Non, ça, c'est de la doxa. Non, mais regardez, justement, un génie, c'est quelqu'un dont vous ne pouvez pas reconstruire l'itinéraire intellectuel. Ouais. Et c'est quoi? C'est pas tout seul, c'est par rapport à une doxa, et à la doxa de sa discipline. C'est-à-dire qu'il renverse une doxa de sa discipline. Non, pas forcément. Il y a des génies qui s'y mettent. Il ne la renverse pas. Par exemple, Mix, il n'a pas renversé le modèle standard. Je tiens à mon nom génie. Non. Oui, le modèle standard, c'est la religion. Mais non, Lacan et toi, ça fait une différence. Voilà. Et Léonard de Vinci et moi aussi, d'ailleurs. Ah, tu vois que Lacan est un génie, et toi, peut-être, tu le deviendras. Il y a un endroit où il n'y a pas de génie. Il y a des autres, il y a des étrangers, il n'y a pas de génie. Il y a un endroit où le génie et la divinité se rejoignent, c'est Léonard de Vinci. Mmh. Parce que l'anagramme de Léonard de Vinci, c'est le don divin créa. Thank you.